危ないとこだったな。お前、怪我はねえか？ええ。ありがとう。あなたもナイトウォーカーよね？ああ、俺は。話はこいつらを片付けた後だ。Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps, quasiment 2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. Et bon, voilà, je vais pas me forcer à faire des vidéos sur des jeux qui déjà de base ne sont pas connus et qui derrière ne me plaisent pas. Même si c'est des petits jeux comme SNK, des petites annonces à droite à gauche, j'en ai strictement rien à faire. Du coup, petit pouce bleu. Découverte de ce nouveau jeu supervisé par Hiro Mashima, l'auteur de Rave, Eden Zero et Fairy Tail. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir aujourd'hui même aux alentours de 6h du matin. Et on va tout simplement découvrir ça. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois auparavant, quelques semaines. Et maintenant qu'il est sorti, on va tester ça. On va voir ce que le jeu propose. S'il est complet en termes de contenu, si ils sont généreux en termes de monnaie pour invoquer sur soit les équipements, soit sur les armes, soit sur les personnages, ou les deux. Et on verra ce que ça va donner par la suite, si le jeu est cool ou pas. Pour le moment, il n'y a qu'une version japonaise. Ils n'ont pas prévu encore de version globale. Ok, le jeu est développé par Square Enix pour ceux qui ne... Enfin, édité et développé par Square Enix. Ok, faut que je mette les touches. Que je peux jouer avec la manette. Non, je peux pas. Bon, on va faire ça. Ça fait très, très simple comme gameplay, je trouve. Pour une première impression. Ouais, faut que je mette les touches par contre. Ok, en vrai, ça va. C'est... Normalement, je pense qu'on peut améliorer la qualité, mais... Parce que là, on est bloqué à 30 FPS. Ok. Ok. En vrai, c'est pas mal, c'est joli. On va ajouter des touches, tranquille. Alors, ici, pour aller faire avancer. Oh, oh, ça commence moche, par contre. Ok, les prochains réglages, je les ferai après. Et je pense que ça, c'est pour les invoques. Et pour les préinscriptions, en fait, ils nous ont... Enfin, vu qu'on a atteint les l'objectif des préinscriptions, ils nous ont donné une petite multi. Ah, ils ont bien... Ok, d'accord. Là, ils ont travaillé sur les émotions du visage et tout. C'est pas mal. Ok, cool. Ok. Est-ce qu'ils vont faire un truc à la Tale of Luminaria ou pas? Parce qu'il y aurait bien qu'on puisse invoquer sur des personnages. Parce qu'ils ont fait la promotion de pas mal de personnages sur leurs réseaux sociaux et sur YouTube. Mais derrière, est-ce que on aura la possibilité d'invoquer sur les personnages ou pas? On verra ça de suite. Et deuxième combat, un petit slime. Le système d'éléments, d'attributs, c'est bien ça. Ok. Ok, ça marche plutôt bien. Ouais, faut que je change 2-3 trucs. Ok, normalement là, ça doit être bon. En vrai, la qualité, c'est pas si ouf que ça. Ouais. Faut que je rechange encore les touches, mais du coup on va jouer comme ça. Parce qu'il faut que je redémarre Blue Stack là et... Et j'invoque le truc, petit boost de stats. Ok. On switch. Ok, ça c'est l'esquive.
En vrai, de vrai, l'attaque spé, elle est jolie. Après, on a bien compris pour quelle raison ils n'ont pas mis ce jeu en version globale. C'est parce qu'il plairait pas à la communauté, parce que c'était un peu rétro. Pour les coups, c'est pas incroyable non plus. Même si le gameplay est assez prenant, c'est un gameplay qui reste quand même assez lent dans l'ensemble. Là, on va aller jusqu'au. Là, on va essayer d'aller chercher l'invocation, de dépasser les invoques après le tuto et tout. Mais il y aura des petites coupures, ne vous inquiétez pas. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. En espérant qu'on puisse améliorer les graphismes. On skip parce que c'est bon. On a fait le tour des gachas. Maintenant, on sait comment ça se passe. Dialogue, scénario, tuto et invocation, c'est à chaque fois la même chose. Du coup, là, on passe aux invoques, c'est ça? Non, ça, c'est l'album. Ok. Ok, ça, c'est l'album. En soi, on s'en fout un peu. Et les familiers qui ont. La capacité d'être, enfin la possibilité d'être améliorée, si j'ai pas de bêtises. Ok. Scène de cartes. Roland, il a de bons avis sur Coop si vous voulez télécharger. Le jeu s'appelle Gate of Nightmare, comme dans le titre, bien sûr. Du coup, là, on choisit notre blaze, comme vous le savez. Voilà, Kaku, hein. La tête. Ok, on peut le prendre, c'est cool. Ok, on est ici. On va encore skip. On va dire que c'est Magnolia. Hein. On va reprendre le délire de Fairy Tail. On reconnaît un peu le style sur les musiques médiévales. Médiévales épiques à la Fairy Tail. Ouais, c'est vrai. Ils ont juste changé quelques trucs. Ok, du coup, on invoque bien sur des personnages. Ça, c'est cool. Et ça, je le kiffe. Ok, on commence avec une multi en espérant qu'on puisse reroll. Déjà, un autre point positif, c'est que le téléchargement ne dure même pas 3 minutes. Hein. Si vous avez une très bonne connexion, ça va durer 1 minute, même pas. En dehors de ça, le tuto dure 5 minutes et il ne demande pas beaucoup. Ok, maintenant on va voir l'animation sur les invoques. C'est beau ou pas? Ok, or. Ok, je crois que j'ai un perso 4-5 étoiles là. C'est quoi? 5 étoiles arc-en-ciel. Pour le moment, c'est la première fois que je vois les invoques. Hein. Du coup, je. Ok, 5 étoiles. Ah, c'est R, SR, SSR. Ok, ça c'est un bon point déjà. Le système de R, SSR, enfin R, SR, SSR. Graphiquement, en fait, je trouve que les personnages sont bien réussis, mais ce qui manque comme touche là, c'est les graphismes. C'est vraiment les graphismes, parce qu'en dehors de ça, le jeu m'a l'air assez complet. Enfin, en termes de gameplay, pas en termes de contenu, mais il m'a l'air assez complet. Parce que déjà, on a un système de save qu'on n'avait pas sur Fairy Tail. Puis derrière, l'attaque spé, elle a une animation. Et sur le contenu. Enfin, ce que j'ai sur le contenu. On dirait une meuf. Et sur le. Système de combat, c'est on va dire réellement c'est complet. Juste petite touche de graphisme à améliorer. On enlève ce délire de rétro parce que là on a bien l'impression que c'est retouché par Square Enix. Vu que oh, il est là lui, pas mal. Ah, je pensais c'était nécessaire lui.
Vu qu'on a l'impression qu'il y a cet aspect, comment dire, rétro sur les coups qu'on porte. J'ai l'impression de jouer à des vieux jeux qui datent, on va pas dire 2010, mais voilà, qui sont aux alentours de ces années-là. Mais sinon, ok, un petit doublon sur les SR de Natsu. Et enfin, il s'appelle Nanatsu, pour ceux qui veulent savoir. Ok, on aura pas mal de choses à faire pour ce jeu. Mais pour le moment, il me plaît. Il y a quelques... Le seul point négatif, comme je vous dis, c'est les graphismes. Sinon, en dehors de ça, le jeu me plaît. Le jeu me plaît énormément. Un petit mélange entre, comme je vous dis, Fairy Tail, Eden Zero et trucs. Du coup, c'est quoi? UR ou SSR? Ok, j'ai pas le perso de la bannière, mais j'ai... Ah, c'est le perso qu'ils ont présenté il y a un mois, je crois. C'est un mage de feu, mais... Ça n'a pas l'air ouf. Où c'est, ça? Sa voix est stylée de fou. Sa voix est stylée de fou. J'apprécie fort sa voix. Ok, du coup on peut pas tout simplement reroll sur la multi. Ils ont pas mis cette option reroll à l'infini. Mais ok, on va dire que j'ai une bonne unité. De toute façon là j'ai une multi à récupérer, plus des petits trucs à droite à gauche. En plus on a un ticket SSR sur le 7e jour. Derrière on a 250 000, enfin qu'est-ce que j'ai 200, on a encore une multi et demi là sur 9 jours, c'est pas mal. On ferme tout ça. Ok, disponible sur Coop bien sûr, et ceux qui sont sur TapTap, enfin ceux qui sont sur Apple, vous passez par votre Play Store japonais, enfin App Store japonais comme vous le savez. Pas besoin de faire une manip de fou hein. On fait le premier truc avec le perso SSR, on va voir ce que ça va donner. Alors, premier chapitre. On gagne 30, ok. On peut revenir en arrière? Ouais, on peut. On va récupérer des trucs et faire notre deuxième invoque. Parce que le gameplay, vous l'avez vu au début, on sait à quoi s'attendre. Je vais juste vous présenter le perso, le mage là. On va l'appeler Manatsu ou Maonotsu. Alors, où sont les trucs? Normalement, c'est ici, hein. C'est dans les cadeaux. Il y a un truc à récupérer. Ouais, on a 3000, 3200. Ok. On récupère tout. 3250. Je crois qu'on a une petite multi, voire deux, je sais pas. À part si. De ce que j'ai vu tout à l'heure. Là. Non, ça c'est les infos. Où les invoque. Où sont les invoques? Là? Ouais, c'est là. J'ai vu le petit cristal là. Normalement, ça doit être ça. À part si c'est le mode histoire. Ok, c'est bien 3000. Ça c'est quoi? J'espère que c'est pas un système de trucs payants. Ouais, ah ils ont mis. Ah ouais, ils ont mis un. Bon, c'est pas grave. On va quand même se plaire. Alors. C'est un type combattant haut. Ok. Combattant haut. Je veux juste voir le taux de drop. Alors, elle s'y trouve. SSR 9400 HP, bon là je pense que c'est l'attaque magie, résistance et tout. Ok, qu'est-ce que je voulais voir? Il y a même une sorte de pitié. Ok. Je vais voir le top drop. Ça qui m'intéresse. Même si ça reste un jeu de chance, ils ont mis un top drop. On verra. On verra s'il est bon ou pas. Ah oui, deuxième point négatif, je pense que ça sera
pense que ça sera le dernier. Les chargements sont longs. Je pense que ça sera ça. Ah ok, c'est le test du personnage. Ah c'est... J'ai l'impression de voir Luffy. Ouais, pas foufou, on va dire on quitte. J'espère ne pas dropper ce personnage. Réellement, j'espère ne pas dropper ce personnage. Du plus profond de mon cœur. Du coup, le top drop, il a 3% et à 0,2 pour chaque unité. 3%. Ok. Ouais, c'est bien ça, la pitié. Du coup, qu'on arrive à 10, on drop ça. Là, j'ai rien drop. Ah si. Mais pourquoi ça m'a skip? J'ai drop un SSR. Nice. Même les persos R, ils sont stylés, je trouve. Hein. J'apprécie le design. Ah bon, lui, on peut s'en foutre un peu. Ouais, les chargements sont vraiment lents. J'ai l'impression de jouer à Blazing. Blazing, tout ce qui est Blazing et Hazard Cruise là, j'ai l'impression de jouer à ça. Seulement on pouvait faire tous les téléchargements, comme ça on passe les no loading et tout. Du coup là on va passer au SR, au SSR plutôt. Ça fait comme ça là. Du coup 1, 2, 3, 4, ici. Alors qui on va drop? Non, non, savoir. C'est qui elle? Oh non! Oh, son gameplay, je l'aime pas. Bon, on va pas cracher dessus, mais c'est dommage. Mais après, déjà, première multi, je lui rappelle un nécessaire. Pas que je sois. Pas que je sois trop dégoûté non plus. Une soigneuse, je pense. Une buffeuse de soigneuse. Ça, on s'en fout. Ok. Du coup, on a notre team de SSR, c'est cool. Ceux qui vont invoquer ici, comment ils sont contents, c'est incroyable. Oh là là, SSR garantie. Phoenix, il est pro pour faire ça. Alors là, normalement, c'est ici où on met la team. On peut modifier la team, l'équipe. Bon, on va changer ça. Auto. Que c'est là ouais ok ouais mais c'est pas trop ce que je voulais faire mais vas-y on va changer ça et elle on va. Un gars que je trouve stylé, ça sera lui déjà. Et on va refaire ça proprement. On fait ça. On va. Non, on va prendre lui. On remonte ici. Et on reprend le. Pour celui-là, ça. Ici, on a nos petits familiers en plus de type peu. Bah, c'est haut, du coup, j'ai pas. C'est pas grave. Et lui, vu que c'est un type.
Non, ça non, c'est pas tu peux. Si, tu peux. Ok. Attribut feu. Ok, go. On va terminer sur ça parce que là, on est déjà à 20 minutes. Ah oui, ah oui. C'est un peu long. C'est un peu long, mais on s'en fout. Le plaisir est là. Waouh, ouais, le gameplay il est vraiment lent. J'ai envie de devoir lutter. Ouais, il reste une petite touche de graphisme. Ok, je crois que c'est une attaque full screen, hein. Mais on va refaire ça. Ça c'est pas full screen, ça attaque plutôt assez devant. Ok, on a testé la team. On va se quitter sur ça. On va faire quelques petites vidéos à droite à gauche. On verra ce que ça donne. Là, c'était le test de l'équipe. Sur ce, la famille, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. J'ai bégayé. Le Discord et le Twitter sont disponibles dans la barre de description. Puis prenez bien soin de vous et ciao.